J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous invite à découvrir ce son-là. Êtes-vous prêts? On y va! Bien, alors commençons par découvrir le son d'aujourd'hui. Je vais vous dire, la première photo, c'est peigne. Peigne. Deuxième, montagne. Montagne. Troisième, cigogne. Cigogne. Alors, quel est le son commun entre ces trois images? Alors, le son d'aujourd'hui, c'est le son ng. Ng. Savez-vous comment on écrit ce son-là, mes petits? On y va. Alors, le son ng, qui est le son d'aujourd'hui, s'écrit en ajoutant la lettre G à la lettre N. Ça va donner ng. Ng. Je vais laisser ici les tracés ou bien les flèches à suivre pour bien écrire la lettre G et la lettre N. Et on combine les deux pour donner le son ng. Maintenant, passons à la bonne prononciation de ce son-là. Alors, pour bien prononcer le son I, ng, souriez, les lèvres un petit peu ouvertes, la bouche ouverte, et on commence à prononcer ng, ng. Nye. Alors maintenant, le bon geste qui accompagne le bon son ou bien la bonne prononciation, c'est le poignet, vous pliez le doigt et vous le mettez sur le nez pour faire nye. Nye. Alors c'est le bon geste qui accompagne le son d'aujourd'hui. Alors maintenant, nous allons lire quelques syllabes, mais attention en faisant la bonne prononciation et le bon geste en même temps. On y va. Nye avec A, nya. Attention, là, j'exagère pour prononcer le son nye, mais vous, si vous entraînez-vous à bien prononcer ce son, sans exagérer. Nya. Nye. Nye. Nyo, nyu, nye. On passe. Nye, 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 nyan et nye, nyu. Continuons maintenant. Nye, 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 noa, nyan, nyo. Bien, alors maintenant, nous allons lire quelques mots qui contiennent le son ng. La cigogne. La cigogne. La cigogne. On passe. À vous de lire maintenant. Très bien. La montagne. La montagne. On lit. La campagne, où il y a les animaux, et le fermier. La campagne. Alors, on passe. Les châtaignes. Le peigne. Alors maintenant, regardez. La poignée. La poignée pour ouvrir la porte. La poignée, l'araignée, nié, l'araignée. On y va. Les biniers, yé, les biniers. On passe. L'autre exemple, le poignet. Attention à l'écriture, le poignet avec la poignée, c'est différent. Le premier, c'est pour la porte et le deuxième, c'est la partie de la main, l'articulation de la main. La baignoire. La baignoire. Attention là. La baignoire. Les champignons. Les champignons. Alors maintenant, passons pour voir quelques verbes qui contiennent le son nye. Alors regardez l'image. Il a obtenu une coupe
c'est il a gagné. Gagné. Alors, ER, ça se lit E à la fin. Gagné. Alors, s'il a gagné, on dit que c'est un gagnant. Un gagnant. Un autre exemple. Alors, regardez cette maman. Qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Il soigne son bébé. Soigner. Alors, le verbe, c'est soigner. On dit que c'est une soignante. Soignante. Le verbe, le nom. Bien. Alors, regardez l'image. C'est comme votre classe. Alors, elle est en train d'enseigner. Enseigner. On dit que c'est un enseignant. C'est un enseignant. On fait la liaison. Enseignant. C'est un enseignant. Bien. Alors, regardez ce chien. Qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de grogner. Grogner. Alors, quand vous voyez un chien qui sort ses dents, alors on dit qu'il est en train de grogner. Faites attention là. Bien, mes petits enfants. Comme ce que vous avez vu aujourd'hui, on a vu le son ng. Ng. Entraînez-vous à bien prononcer le son ng en lisant quelques syllabes et quelques mots et même former des phrases avec les mots qu'on a déjà vus durant cette vidéo. Continuez à travailler, je vous aime très fort et à bientôt.